les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce sur Gran Turismo pour gagner un peu de sous, là, parce que c'est la galère. Alors, on va lancer une course personnalisée. On prend le circuit le plus long, le number, 24 heures. On prend une voiture N100, peu importe, custom ou pas, c'est pareil. Alors, on va mettre en catégorie GR1, difficulté professionnelle. Le boost, on met aucun. Le type de départ, on met départ lancé. Et sur la grille, on part 20e. Et on lance. Alors, cette astuce, elle s'adresse à tous ceux qui cherchent à avoir les voitures à 1 million. Je vous dis pas de poncer le truc pendant toute la journée. Mais ça aide vachement parce que les voitures sont super chères et on gagne pas vraiment beaucoup de crédit même quand on joue vraiment au jeu. Donc voilà quoi. Franchement, profitez-en. Et au moins les potes, vous pourrez pas dire que vous avez pas de caisse. Parce qu'à chaque fois qu'on lance une course, il y a personne qui a de voiture. Alors avec cette astuce, vous pourrez au moins vous acheter tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti. J'ai vu plein d'autres astuces à droite à gauche. Enfin, ils appellent ça des glitches, moi j'appelle ça une astuce. Où il fallait rentrer en frein à main dans les stands, ou alors faire une marche arrière quelconque, je sais pas quoi. Franchement, les gars, c'est tout simple. Vous gardez au même endroit que moi, il suffit juste d'attendre 20 secondes. C'est quoi 20 secondes? C'est rien du tout par rapport à ce qu'on va générer comme argent. Voilà, ça s'est mis en conduite auto, ça fait une marche arrière automatiquement, il suffit juste de finir la course. Voilà, on est arrivé. Et du coup, on a fini premier grâce à ce bug. 141 000 crédits. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Et en commentaire, si vous pouvez mettre la voiture que vous avez achetée grâce à cette astuce. Que je répète, c'est une astuce, c'est pas un glitch. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao!